ne connaît que groupe non à son groupe qui est unique. C'est un groupe de sœurs qui réunit pour servir le Seigneur, pour nous répondre à notre mandat que le Seigneur bat nous dans Matthieu 28. Bien-aimés, moi, appréciez-nous en pile du fait que nous sommes capables de mettre nous ensemble pour nous faire travailler ça. Mais son seul bagage maintenant, dis-nous, c'est pour nous vigilantes. Parce que l'ennemi en ouais, nous mettons tête nous avec entente et patience et maîtrise de soi. Et nous vivons entre nous dans la bonté. Il paraît même ça. Il est capable de choisir un parmi nous qui est plus faible pour décourager nous. Et mettre antagonisme entre nous. Le programme ça que nous avons fait, c'est ça le Seigneur demandé pour nous lire parole. Li. Parce que parole là, c'est lui-même. Et sans la connaissance de la parole là, mais bien aimé, nous ne sommes pas capables de jouer avec lui. Li parole là, c'est yon. Mais appliquer parole là dans la vie, non, son lot. Espérez qu'en lisant Esaïe, que communément les théologiens aurélés évangélistes de l'Ancien Testament, nous connaissons à prendre pile la donne, mais appliquer dans la vie, non. C'est ça que fait ma remède de ce que me fait partie de lecture là tout. Moi, je dis, l'Oabli, pas l'île en Jean Vague. L'île avec concentration ou capable de retenir, ça le Seigneur a dit dans la lecture. Alors, on va commencer la lecture là pour nous dans le chapitre premier. Ce chapitre contient réellement 31 versets. On va lire avec vitesse, on va lire doucement en observant les ponctuations. Ou si on attendait pour être capable de comprendre. Bien aimé, on a commencé Esaïe, chapitre 1er. La révolte du peuple contre Dieu. Prophétie d'Esaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous inflige quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont pas été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée,
Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorre. Une invitation à la pureté. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous éteindez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. L'injustice de Jérusalem et l'intervention de Dieu. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, à la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Le fort d'Israël, je tirerai satisfaction de mes adversaires. Et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai de scorie comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous, et tous les rebelles, et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura la honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir. Et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'y aura personne pour éteindre. C'est la parole de l'Éternel, les 31 versets du premier chapitre d'Ésaïe. Que le Seigneur d'aille bénir cette portion de son écriture pour la bonté de nos cœurs.
Bonjour, monsieur Flambeau de l'espoir. C'est ce chéri qui a fait un petit passé pour la caille nous, pour saluer nous toutes dans le nom de Jésus. Nous réellement senti nous sommes des privilégiés parce que le Seigneur fait nous grâce de qu'il nous vivants. Nous pas à l'hôpital, nous pas dans prison malgré qu'il parmi nous qui souffrir ou qui a gagné un proche nous qui souffrir, Dieu fait grâce nous encore vivants. Mes sœurs, nous connaît la Bible dit monde qui persévère jusqu'à la fin, c'est lui-même qui a sauvé. Nous connaissons chaque année, nous toujours prend quelques semaines de vacances pour nous capables recharger batterie nous pour ceux qui parmi nous qui gagne bébé, qui gagne petit monde et qui a enseigné aussi à l'école. Nous sommes des enseignants et parfois nous avons besoin de temps pour nous. Eh bien nous t'ai jugé nécessaire pour nous prendre moi juillet là en vacances et pendant nous en vacances nous t'ai jugé nécessaire aussi pour nous t'ai lire le livre d'Ésaïe parce que livre ça a un paquet de belles bagailles là-dedans que nous toutes nous devons connaître. Sœur Micheline préparer un schedule pour nous les femmes flambeaux de l'espoir, femmes droit H, femmes de prière, non seulement à prier, nous devons faire lecture parole bon Dieu à tout. Consale nous à prier, n'a prend parole Seigneur à ça dit, n'a remettre li à lui-même, n'a dit Seigneur c'est soit dit dans parole, c'est soit dit dans bouche Isaïe, c'est soit fait pour Esther, c'est ça ou t'es fait pour Ruth, c'est soit fait pour Naomi, so on and so on. Eh bien, Sœur Micheline prépare programme nan. Pa Sœur Chéri a fait ouverture pour nous l'appli chapitre 1 et chapitre 33 pa Sœur Chéri a lire pour nous nous dit Seigneur merci pour ça. Chaque jour yon moun a lire mais ça ou lire ou mettre la gueule sous groupe là pour nous capable bien ça dans record nous dans archive nous pour nous capable connaître que chaque monde te lire nous gagner sur chéri cap lire chapitre 3 chapitre 14 et 25 sur Adonis a lire chapitre 4 5 et 26 sur Edith chapitre 5 16 et 27 sur Josette chapitre 6 17 et 28 sur Sophie, chapitre 7, 18 et 29. Sur Nadège, chapitre 8 et 30. Sur Yolène, chapitre 9, 20 et 31. Sur Rosiane, chapitre 10, 21 et 32. L'appli sur Suzanne, appli chapitre 11, chapitre 22 et chapitre 33. Chapitre 33, sur Osiane, appelé chapitre 12, 23 et 34. Alors, nous encourager pour lire, parce que depuis ou lire, ou a grandi, ou a comprendre parole la mieux, c'est boussole pas, c'est âme pas, ou a gagné. Les adversaires la venir sous quelle que soit forme, ou a capable prendre la parole pour défendre tout. Que le Seigneur capable bénir ou que le Seigneur encourage ou en nous lit. Lis la Bible, priez chaque jour. Lis la Bible, priez chaque jour et ou va grandir. Et ou va grandir et on va grandir. Lis la Bible, priez chaque jour et on va grandir. Nous dit Sœur Rosinette a lu chapitre 12, chapitre 23 et chapitre 34.
Que bon Dieu bénisse nous. Pour pas oublier toujours garder ces vidéos ça. Et si vous avez d'autres amis qui t'a intéressé à lire ensemble avec nous, joignez avec Sœur Micheline, bye Sœur Micheline, contact mon nom. Et puis, pour nous capables de lire la parole là ensemble. Bonjour mes sœurs flambeaux de l'espoir, mon salut dans le nom de Jésus-Christ. Nous dit bon Dieu merci matin pour le privilège ça que nous gagnons encore pour nous continuer avec lecture dans le livre d'Ésaïe qui c'est un livre qui plein avec en pile richesse que nous pourrons joindre pour nous. Alors moi encourager vous faire lecture ça sœur. M'appelez pour nous le chapitre 2. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des sceptres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et a donné à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Et le pays est rempli d'argent d'or, il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux et il y a des chats sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les pays seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève à la fin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban haut élevé,
contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Nassi et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour-là, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, cessez de vous confier à l'homme. Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Soyez bénis, mes sœurs. Lis la Bible, priez chaque jour et on va grandir. Matin encore, nous avons un privilège pour nous capables de présenter devant toute famille, amis, les familles, 3H, les sœurs flambeaux de l'espoir. Un peu partout, ça qui aux États-Unis, Canada, Chili, Brésil, dans le pays d'Haïti, en République dominicaine, nous gagnons chance pour nous capables de présenter nos lectures, nous, que nous joignons dans Ésaïe chapitre 4, qui gagne 6 versets que nous pourrons lire pour nous. Nous avons invité nous, à encourager nous, à accompagner Timonio. Et partager autour comme ça pour travailler là capable aller de l'avant. Nous connaissons nous gagnons pause, mais pause là pas veut dire que nous rester sans rien faire, nous capable pas parler, communiquer chaque jour, mais nous gagnons quelques petits travail et nous connaissons tout. Nous gagnons prière personnelle, n'a pas encourager nous continuer yon prier pour l'autre. Et comme ça, lorsque bon Dieu a ban nous chance pour nous retourner connecter, n'a retourner avec une chaleur pour nous capable continuer faire travail là. Mais en nous rester dans lecture dans moment nous appeler Ésaïe chapitre 4 ligne 6 verset là-dedans. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Délivrance future de Jérusalem. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël et les restes de Sion. Les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante
pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Bon Dieu, bénis-nous. Comment nous y est, coordinateur, coordinatrice, comment nous y est, saluons-nous dans le nom de Jésus. La paix, bon Dieu, avec nous. Bon Dieu. Bon Dieu, bénis-nous, la famille 3H. Maintenant, c'est un plaisir pour moi, ensemble avec nous. Et pour nous faire continuité, lecture et du livre d'Ésaïe. Et m'espérer tout le monde très bien par la grâce de Dieu. Et que bon Dieu fait grâce. Nous continuons avec lecture du livre d'Ésaïe. Et mon pral du matin, hein, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une saine postérité renaîtra de ce peuple. Parole du Seigneur. On souhaite nous passer une très bonne journée en bas protection, mon Dieu. Mon Dieu béni. Mes bien-aimés, sœurs en Jésus-Christ, flambeau de l'espoir, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous avons avec nous sur Sophonie, Joseph Victor, qui est là matin, et que nous allons passer un petit moment ensemble. Nous allons lire chapitre 7 dans le livre Ésaïe, dans le cadre du programme lecture que nous gagnons sous groupe Flambeau de l'espoir.
Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour la siéger, mais il ne put la siéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shéar, Jacob, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisson fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Remalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéil. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Retsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande ta faveur, un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Isaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangea de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. En ce jour-là, l'Éternel siffla les mouches qui sont à l'extrémité des cadeaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes les vallons désolés et dans les fentes des rochers sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir, pris à louange au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. En ce jour-là, chacun en tiendra une jeune vache et deux brebis. Et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. En ce jour-là, tout lieu qui contiendra 1 000 sètes de vignes, valant 1 000 cycles d'argent, sera livré aux ronces et aux épines. On y rentrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées, mais crêtes des ronces et des épines. On y lâchera le bœuf, et la brebis, on en foulera le sol. Parole du Seigneur. Thanks be to God.
Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. À moi.
contents de vous avec nous. Béni, pasteur chéri. Béni, madame, Jemaine Harris chéri. Béni, soeur nous, qui prépare manger pour nous, qui côté béni là. Nous vous remercions, Seigneur. Béni, nous, pour Mando, on va bénir l'organisation 3H. Béni, projet ça, pour aller bien loin. Et comme ça, on va grandir, on va repiquer vos bagages toujours. Béni, nous. Nous connaissons que le groupe nous a son groupe qui est unique. C'est un groupe de sœurs qui est réuni pour servir le Seigneur, pour nous répondre à notre mandat que le Seigneur bat nous dans Matthieu 28. Bien-aimés, moi apprécions en pile du fait que nous sommes capables de mettre nous ensemble pour nous faire travailler ça. Mais son seul bagage maintenant dit non, c'est pour nous vigilantes. Parce que l'ennemi en ouais, nous mettons tête nous avec entente et patience et maîtrise de soi. Et nous vivons entre nous dans la bonté. Il paraît même ça. Il est capable de choisir une parmi nous qui est plus faible pour décourager nous. Et mettre antagonisme entre nous. Programme ça que nous faisons, c'est ça le Seigneur demandé pour nous lire parole. Li. Parce que parole là, c'est lui-même. Et sans la connaissance de la parole là, mais bien aimé, nous ne sommes pas capables de jouer avec lui. Li parole là, c'est yon. Mais appliquer parole là dans la vie, non, son lot. J'espérais qu'en lisant Ésaïe, que communément les théologiens auraient les évangélistes de l'Ancien Testament, nous qu'on en apprend pile là-dedans, mais appliqué dans la vie.
nous. C'est ça que fait mes mains de ce qui me fait partie de lecture là tout. Moi, je dis, l'OAB lit, pas l'île en Jean Vague, l'île avec concentration, ou capable de retenir, ça le Seigneur a dit dans la lecture. Alors, on va commencer la lecture là pour nous dans le chapitre premier. Ce chapitre contient réellement 31 versets. Je vais avec vitesse, je vais doucement en observant les ponctuations. Aussi, on attendait pour être capable de comprendre. Bien aimé, on a commencé Ésaïe, chapitre 1er. La révolte du peuple contre Dieu. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous inflige quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont pas été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorre. Une invitation à la pureté. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous éteindez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal.
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. L'injustice de Jérusalem et l'intervention de Dieu. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, à la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Le fort d'Israël, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai de scorie comme avec de la potasse. Et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvée par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous. Et tous les rebelles et les pécheurs et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura la honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir. Et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices, car vous serez comme un térébinte au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. C'est la parole de l'Éternel, les 31 versets du premier chapitre d'Ésaïe. Que le Seigneur d'aille bénir cette portion de son écriture pour la bonté de nos cœurs. Bonjour, messieurs flambeaux de l'espoir. Si ce chéri qui a fait un petit passé pour la caille nous, pour saluer nous toutes dans le nom de Jésus. Nous réellement senti nous sommes des privilégiés parce que le Seigneur fait nous grâce de qu'il bien nous vivants. Nous pas à l'hôpital, nous pas dans prison malgré qu'il parmi nous qui a souffri ou qui a gagné un proche nous qui a souffri. Dieu fait grâce nous encore vivants. Mes sœurs, nous connaît la Bible dit monde qui persévère jusqu'à la fin, c'est lui-même qui a sauvé. Nous connaît chaque année nous toujours prend quelques semaines de vacances pour nous capable recharger batterie nous. Pour ceux qui ont parmi nous, qui ont bébé, qui ont petit monde, et qui ont enseigné aussi à l'école. Nous sommes des enseignants. Et parfois, nous avons besoin de temps pour nous. Eh bien, nous avons jugé nécessaire pour nous prendre, moi, juillet là, en vacances. Et pendant nous en vacances, nous avons jugé nécessaire aussi pour nous lire le livre d'Ésaïe. Parce que livre ça un paquet belle bagaille la donne que nous toutes nous doué connait. Sœur Micheline préparer un schedule pour nous les femmes flambeaux de l'espoir, femmes droit H, femmes de prière, non seulement à prier, nous doué faire lecture parole bon Dieu à tout.
konsale nou a priye, nan pran parol, Seigneur a sa di, nan pou met li a li menm, nan di Seigneur, se sou te di nan parol, se sou di nan bouche Zayi, se sou te fe pou Esther, se sa ou te fe pou Ruth, se sou te fe pou Naomi, so on and so on. Eh bien, Sœur Micheline prépare programme nan. Pasteur Chéri a fait ouverture pour nous l'appli chapitre 1 et chapitre 33. Pasteur Chéri a lié pour nous, nous dit Seigneur, merci pour ça. Chaque jour, yon moun a lié, mais ça ou lié, ou met la gueule sous groupe là pour nous capable bien ça dans record nous na archive nous pour nous capable connaître que chaque monde te lire nous gagner sur chéri cap lire chapitre 3 chapitre 14 et 25 sur Adonis a lire chapitre 4 5 et 26 sur Edith chapitre 5 16 et 27 sur Josette chapitre 6 17 et 28 Sur Sophie, chapitre 7, 18 et 29. Sur Nadège, chapitre 8 et 30. Sur Yolène, chapitre 9, 20 et 31. Sur Rosiane, chapitre 10, 21 et 32. L'appli sur Suzanne, appli chapitre 11, chapitre 22 et chapitre 33. Chapitre 33, sur Osiane, appelé chapitre 12, 23 et 34. Alors, nous encourager pour lire, parce que depuis où lire, ou a grandi, ou a compris la parole là mieux, c'est boussole, pas, c'est âme, pas, ou a gagné. Les adversaires là, venir sous quelle que soit forme, ou a capable de prendre la parole pour défendre tout. Que le Seigneur capable bénir ou que le Seigneur encourage ou en nous lit. Lis la Bible, priez chaque jour. Lis la Bible, priez chaque jour et ou va grandir. Et où va grandir? Et où va grandir? Lis la Bible, priez chaque jour. Et où va grandir? Nous dit Sœur Rosinette a lu chapitre 12, chapitre 23 et chapitre 34. Que bon Dieu bénisse nous. Pour pas oublier, toujours garder ces vidéos ça. Et si vous avez d'autres amis qui t'a intéressé à lire ensemble avec nous, jouez avec Sœur Micheline. Bye Sœur Micheline, contacte mon nom. Et puis, pour nous capables de lire la parole là ensemble. Bonjour mes sœurs flambeaux de l'espoir, moi salue nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous dit bon Dieu merci matin pour le privilège ça que nous gagnons encore pour nous continuer avec lecture nous dans le livre d'Ésaïe qui c'est un livre qui plein avec en pile richesse que nous pourrons joindre pour nous. Alors moi encourage vous faire lecture ça sœur. M'appelle pour nous le chapitre 2.
Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des sceptres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et a donné à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Et le pays est rempli d'argent d'or, il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux et il y a des chats sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les pays seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève à la fin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban hauts et élevés, contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées. Contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Nassi et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour-là, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, cessez de vous confier à l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il?
Soyez bénis, mes sœurs. Lis la Bible, priez chaque jour et on va grandir. Matin encore, nous avons un privilège pour nous capables de présenter devant toute famille, amis, les familles, 3H, les sœurs flambeaux de l'espoir, un peu partout, ça qui aux États-Unis, Canada, Chili, Brésil, dans le pays d'Haïti, en République dominicaine, nous gagnons chance pour nous capables de présenter nos lectures, nous, que nous joignons dans Ésaïe chapitre 4, qui gagne 6 versets que nous pourrons lire pour nous. Nous avons invité nous, à encourager nous, à accompagner Timounio et partager autour, comme ça, pour travailler là, capable d'aller de l'avant. Nous connaissons, nous gagnons pause, mais pause là, pas voulait dire que nous restons sans rien faire, nous capables pas parler, communiquer chaque jour, mais nous gagnons quelques petits travail et nous connaissons tout. Nous gagnons prière personnelle, n'a pas encouragé nous continuer yon prier pour l'autre et comme ça lorsque bon Dieu a ban nous chance pour nous retourner connecter n'a retourner avec une chaleur pour nous capable continuer faire travail là mais en nous rester dans lecture dans moment nous appeler Ésaïe chapitre 4 ligne 6 verset là dedans. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Délivrance future de Jérusalem. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Pour les récoltes, chapé d'Israël et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Bon Dieu bénis-nous. Dites, comment nous y est, coordinateur, coordinatrice, comment nous y est, saluez-nous dans le nom de Jésus. La paix, mon Dieu, avec nous. Mon Dieu. Bon Dieu, bénis-nous, la famille 3H. Maintenant, c'est un plaisir pour m'ensemble avec nous. Et pour nous faire continuité, lecture et du livre d'Ésaïe. Et m'espérer tout le monde très bien par la grâce de Dieu. Et que bon Dieu fait grâce. N'a continue avec lecture du livre d'Ésaïe. Et mon pral du matin, en chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler.
Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une saine postérité renaîtra de ce peuple. Parole du Seigneur. On souhaite nous passer une très bonne journée en bas protection, mon Dieu. Mon Dieu béni. Mes bien-aimés, sœurs en Jésus-Christ, flambeau de l'espoir, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous avons avec nous sur Sophonie, Joseph Victor, qui est là matin, et que nous allons passer un petit moment ensemble. Nous allons lire chapitre 7 dans le livre Isaïe, dans le cadre du programme lecture que nous gagnons sous groupe Flambeau de l'espoir. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour la siéger, mais il ne put la siéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi et Shéar, Jacob, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisson fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Remalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéil. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu.
car Damas est la tête de la Syrie et Rétsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande ta faveur, un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangea de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. En ce jour-là, l'Éternel siffla les mouches qui sont à l'extrémité des cadeaux de l'Égypte, et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes les vallons désolés, et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir, pris à louange au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. En ce jour-là, chacun en tiendra une jeune vache et deux brebis. Et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. En ce jour-là, tout lieu qui contiendra 1 000 septs de vigne valant 1 000 cycles d'argent sera livré aux ronces et aux épines. On y rentrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées, mais crêtes des ronces et des épines. On y lâchera le bœuf et la brebis, on en foulera le sol. Parole du Seigneur. Thanks be to God. Jésus, je viens à toi, tel que je suis à moi.
contents que vous êtes avec nous. Bénis, pasteur chéri. Bénis, madame Jemaine Harris, chérie. Bénis, soeur nous, qui prépare manger pour nous, qui côté béni là. Nous vous remercions, Seigneur. Bénis nous. Nous demandons, nous avons béni l'organisation 3H. Bénis, projet ça, pour aller bien loin. Et comme ça, nous avons grandi, nous avons repris pour nous bagarrer toujours. Bénis nous. Nous connaissons que le groupe Noah est un groupe qui est unique. C'est un groupe de sœurs qui est réuni pour servir le Seigneur, pour nous répondre à notre mandat que le Seigneur bat nous dans Matthieu 28. Bien-aimés, moi appréciez-nous en pile du fait que nous sommes capables de mettre nous ensemble pour nous faire travailler ça. Mais son seul bagage maintenant dit non, c'est pour nous vigilantes. Parce que l'ennemi en ouais, nous mettons tête nous avec entente et patience et maîtrise de soi. Et nous vivons entre nous dans la bonté. Il paraît même ça. Il est capable de choisir un parmi nous qui est plus faible pour décourager nous. Et mettre antagonisme entre nous. Programme ça que nous faisons, c'est ça le Seigneur demandé pour nous lire parole. Li. Parce que parole là, c'est lui-même. Et sans la connaissance de la parole là, mais bien aimé, nous ne sommes pas capables de jouer avec lui. Li parole là, c'est yon. Mais appliquer parole là dans la vie, non, son lot. J'espérais qu'en lisant Ésaïe, que communément les théologiens auraient les évangélistes de l'Ancien Testament, nous qu'on en apprend pile là-dedans, mais appliqué dans la vie.
non. C'est ça que fait mal aimer de ce que me fait partie de lecture là tout. Moi, je dis, l'OAB lit, pas l'île en Jean vague, l'île avec concentration, ou capable de retenir, ça le Seigneur a dit dans la lecture. Alors, on va commencer la lecture là pour nous dans le chapitre premier. Ce chapitre contient réellement 31 versets. Bablili avec vitesse, Bablili doucement, en observant les ponctuations, ou si on attendait pour être capable de comprendre. Bien aimé, on a commencé Ésaïe, chapitre 1er. La révolte du peuple contre Dieu. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous inflige quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade. Et tout le corps est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont des blessures, contusions et plaies vives qui n'ont pas été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et nous ressemblerions à Gomorre. Une invitation à la pureté. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous éteindez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal.
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. L'injustice de Jérusalem et l'intervention de Dieu. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin, à la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Le fort d'Israël, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai de scorie comme avec de la potasse. Et j'enlèverai toutes les parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvée par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous. Et tous les rebelles et les pécheurs et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura la honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir. Et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices, car vous serez comme un térébinte au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. C'est la parole de l'Éternel, les 31 versets du premier chapitre d'Ésaïe. Que le Seigneur d'aille bénir cette portion de son écriture pour la bonté de nos cœurs. Bonjour, messieurs flambeaux de l'espoir. Si ce chéri qui a fait un petit passé pour la caille nous, pour saluer nous toutes dans le nom de Jésus. Nous réellement senti nous sommes des privilégiés parce que le Seigneur fait nous grâce de qu'un bien nous vivant. Nous pas à l'hôpital, nous pas dans prison malgré qu'un parmi nous cap souffrir ou qui a gagné un proche nous cap souffrir. Dieu fait grâce nous encore vivant. Mes sœurs, nous connaît la Bible dit monde qui persévère jusqu'à la fin, c'est lui-même qui a sauvé. Nous connaît chaque année nous toujours prend quelques semaines de vacances pour nous capable recharger batterie nous. Pour ceux qui ont parmi nous, qui ont un bébé, qui ont un petit monde, et qui ont enseigné aussi à l'école. Nous sommes des enseignants. Et parfois, nous avons besoin de temps pour nous. Eh bien, nous avons jugé nécessaire pour nous prendre, moi, juillet là, en vacances. Et pendant nous en vacances, nous avons jugé nécessaire aussi pour nous lire le livre d'Ésaïe. Parce que livre ça un paquet belle bagaille la donne que nous toutes nous doué connait. Sœur Micheline préparer un schedule pour nous les femmes flambeaux de l'espoir, femmes droit H, femmes de prière, non seulement à prier, nous doué faire lecture parole bon Dieu à tout.
konsale nou a priye, nan pran parol, Seigneur a sa di, nan pou met li a li menm, nan di Seigneur, se so te di nan parol, se so di nan bouche Zayi, se so te fe pou Esther, se sa ou te fe pou Ruth, se so te fe pou Naomi, so on and so on. Eh bien, Sœur Micheline prépare programme nan. Pasteur Chéri a fait ouverture pour nous l'appli chapitre 1 et chapitre 33. Pasteur Chéri a lire pour nous, nous dit Seigneur, merci pour ça. Chaque jour, yon moun a lire, mais ça ou lire, ou mettre la gueule sous groupe là pour nous capable bien ça dans record nous on archive nous pour nous capable connaître que chaque monde te lire nous gagner sur chéri cap lire chapitre 3 chapitre 14 et 25 sur Adonis à lire chapitre 4 5 et 26 sur Edith chapitre 5 16 et 27 sur Josette chapitre 6 17 et 28 sur Sophie, chapitre 7, 18 et 29. Sur Nadège, chapitre 8 et 30. Sur Yolène, chapitre 9, 20 et 31. Sur Rosiane, chapitre 10, 21 et 32. L'appli sur Suzanne, appli chapitre 11, chapitre 22 et chapitre 33. Chapitre 33, sur Osiane, appelé chapitre 12, 23 et 34. Alors, nous encourager pour lire, parce que depuis ou lire, ou a grandi, ou a comprendre parole la mieux, c'est boussole pas, c'est âme pas, ou a gagné. Les adversaires la venir sous quelque soit forme, ou a capable prendre la parole pour défendre tout. Que le Seigneur capable bénir ou que le Seigneur encourage ou en nous lit. Lis la Bible, priez chaque jour. Lis la Bible, priez chaque jour et ou va grandir. Et où va grandir, et où va grandir. Lis la Bible, priez chaque jour, et où va grandir. Nous dit Sœur Rosinette, appelé chapitre 12, chapitre 23 et chapitre 34. Que bon Dieu bénisse nous. Pour pas oublier, toujours garder ces vidéos ça. Et si vous avez d'autres amis qui t'a intéressé à lire ensemble avec nous, jouez avec Sœur Micheline. Bye Sœur Micheline, contact mon nom. Et puis, pour nous capables de lire la parole là ensemble. Bonjour mes sœurs flambeaux de l'espoir, moi salue nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous dit bon Dieu merci matin pour le privilège ça que nous gagnons encore pour nous continuer avec lecture nous dans le livre d'Ésaïe qui c'est un livre qui plein avec en pile richesse que nous pourrons joindre pour nous. Alors moi encourage vous faire lecture ça sœur. M'appelle pour nous le chapitre 2.
Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des sceptres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et a donné à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Et le pays est rempli d'argent d'or, il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux et il y a des chats sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les pays seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève à la fin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban haut et élevé, contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées. Contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Nassi et contre tout ce qui plaît à la vue, l'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour-là, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, cessez de vous confier à l'homme. Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il?
Soyez bénis, mes sœurs. Lis la Bible, priez chaque jour et on va grandir. Matin encore, nous avons un privilège pour nous capables de présenter devant toute famille, amis, les familles, 3H, les sœurs flambeaux de l'espoir, un peu partout, ça qui aux États-Unis, Canada, Chili, Brésil, dans le pays d'Haïti, en République dominicaine, nous gagnons chance pour nous capables de présenter nos lectures, nous, que nous joignons dans Ésaïe chapitre 4, qui gagne 6 versets que nous pourrons lire pour nous. Nous avons invité nous, à encourager nous, à accompagner Timounio et partager autour, comme ça, pour travailler là, capable d'aller de l'avant. Nous connaissons, nous gagnons pause, mais pause là, pas voulait dire que nous restons sans rien faire, nous capables pas parler, communiquer chaque jour, mais nous gagnons quelques petits travail et nous connaissons tout. Nous gagnons prière personnelle, n'a pas encouragé nous continuer yon prier pour l'autre et comme ça lorsque bon Dieu a ban nous chance pour nous retourner connecter n'a retourner avec une chaleur pour nous capable continuer faire travail là mais en nous rester dans lecture dans moment nous appeler Ésaïe chapitre 4 ligne 6 verset là dedans. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Délivrance future de Jérusalem. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Pour les récoltes, chapé d'Israël et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur les lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Bon Dieu bénis-nous. Dites, comment nous y est, coordinateur, coordinatrice, comment nous y est, saluez-nous dans le nom de Jésus. La paix, mon Dieu, avec nous. Mon Dieu. Bon Dieu, bénis-nous, la famille 3H. Maintenant, c'est un plaisir pour m'ensemble avec nous et pour nous faire continuité lecture et du livre d'Ésaïe. Et m'espérer tout le monde très bien par la grâce de Dieu. Et que bon Dieu fait grâce. N'a continue avec lecture du livre d'Ésaïe. Et mon pral du matin, en chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler.
Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une saine postérité renaîtra de ce peuple. Parole du Seigneur. On souhaite nous passer une très bonne journée en bas protection, mon Dieu. Mon Dieu béni. Mes bien-aimés, sœurs en Jésus-Christ, flambeau de l'espoir, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous avons avec nous sur Sophonie, Joseph Victor, qui est là matin, et que nous allons passer un petit moment ensemble. Nous allons lire chapitre 7 dans le livre Isaïe, dans le cadre du programme lecture que nous gagnons sous groupe Flambeau de l'espoir. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour la siéger, mais il ne put la siéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Isaïe, « Va à la rencontre d'Akaz, toi et Shéar, Jacob, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisson fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Remalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéil. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu.
car Damas est la tête de la Syrie et Rétsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande ta faveur, un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangea de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. En ce jour-là, l'Éternel siffla les mouches qui sont à l'extrémité des cadeaux de l'Égypte, et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes les vallons désolés, et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir, pris à louange au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. En ce jour-là, chacun en tiendra une jeune vache et deux brebis. Et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. En ce jour-là, tout lieu qui contiendra 1 000 sètes de vignes valant 1 000 cycles d'argent sera livré aux ronces et aux épines. On y rentrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées, mais crêtes des ronces et des épines. On y lâchera le bœuf et la brebis, on en foulera le sol. Parole du Seigneur. Thanks be to God. Jésus, je viens à toi, tel que je suis à moi.
Comptez avec nous. Bénis, pasteur chéri. Bénis, madame, Jemaine Harris chéri. Bénis, soeur nous, qui prépare manger pour nous, qui côté béni là. Nous vous remercions, Seigneur. Bénis nous. Nous demandons, on va bénir l'organisation 3H. Bénis, projet ça, pour aller bien loin. Et comme ça, on va grandir, on va repiquer vos bagages toujours. Bénis nous.